Bonsoir mes amis, bonsoir et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Je suis heureux et fier de vous présenter celui dont je vous parle depuis des mois et des mois. Cette tête extraordinaire que j'ai appelée Ferdinand. Connaissez-vous Ferdinand? En troisième, bientôt 15 ans. Non, chante! Fais vibrer ces inconnus, chante! Hey! Connaissez-vous Ferdinand? En troisième, bientôt 15 ans. Ferdinand aime la musique, les envols, les symphoniques. Comme vous le savez, j'ai rencontré Ferdinand dans l'allée est du secteur 7 de l'asile, où j'officie en tant que médecin. Connaissez-vous Ferdinand ? Des semaines, des mois d'observation, de recherche de cet homme musical. Ferdinand m'obsède, me fascine. Il devient mon seul et unique patient. Tu sais quoi? Tu sais ce que je t'ai appris? Tu vas pouvoir lui dire! Dis-le! Merci à toi, public. Voilà, c'est ça. Et un jour, miracle! Ferdinand chante. Lui, qui n'a jamais prononcé un son, jamais prononcé une parole, il chante des mots, il chante. Qu'est-ce qui va devenir mon fils? Ses colères, ses caprices. Cet enfant des fois fait peur. Dites-moi ce qu'il a, docteur. Ferdinand se fait des filles. Dans la tête de Ferdinand, un orage, un ouragan. Au son du piano d'Einstein, vandaliser l'abribus. Devant les grilles du collège, du sang partout sur la neige. Son père n'est là pour personne, répond plus au téléphone. Ferdinand se fait des films. Qu'est-ce qui va devenir mon fils? Ses colères, ses caprices. Cet enfant des fois fait peur. Dites-moi ce qu'il a, docteur. Qu'est-ce qui va devenir mon fils? Ses colères, ses caprices. Dites-moi ce qu'il a, docteur. Dites-moi ce qu'il a, docteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers administrés, si vous m'entendez, si vous me voyez vous parler sur cet écran, c'est que la chose marche. Un jour, je puis le promettre, vous passerez vous-même à la télé. Dirait-on une cabine, mieux encore une vitrine, où des images noir et blanc nous racontent sur un écran la complexité du monde, sa nature la plus profonde. Terminez la RDF, bienvenue l'ORTF. N'ayez peur mes chers enfants, non papa n'est pas dément. L'avez-vous tous deviné? Il s'agit d'une télé. N'ayez peur mes chers enfants, non papa n'est pas dément. L'avez-vous tous deviné? Il s'agit d'une télé. Je vois des soignants terrifiants, inspirant mes fluides et mes sangs. Je vois des tout petits psychopathes. Je vois des psychiatres acariates. Enfilant tes gants de latex sous le feu des éclairages blancs, sous ton corps tout petit insignifiant, tu sens en toi monter la peur. Le contact glacial du métal, la peur. L'ombre de la maladie mentale, la peur. Le contact glacial du métal, la peur. L'ombre de la maladie mentale. Enfermé dans une cellule, sur ma veste à matricule,
qu'on m'avait rasé le crâne, humilié à coups de canne. Puis son jeu se monotait, sans le vent des accusés. Qu'on me parlait des hangars, que faisais-tu hier soir? Je suis exilé à jamais. Une mascarade, pourquoi donc suis-je menotté sur le banc des accusés? Je ne connais pas cette famille, je n'ai pas tué cette fille, je vous reconnais enfin, vous n'êtes que des assassins.